Bonjour à tous, je suis le zombie, bienvenue dans cet épisode 32. Aujourd'hui, je vous emmène dans l'état de Washington, aux États-Unis, le 19 juin 2000. Pour une émission télé nommée American Sprint Car, deux membres d'un équipage, équipés visiblement de grands diplômes en mécanique, ont décidé de créer une nouvelle attraction à sensations fortes. Leur idée, c'était d'avoir un bidon qui glisse sur de l'asphalte en faisant des étincelles et des flammes, et eux seraient jauchés dessus avec un chapeau façon cow-boy en train de dompter un taureau. Pour ça, ils imaginent de faire un bidon avec du méthanol et un détonateur. Alors, pour tout le monde sauf pour eux, cette chose-là s'appelle une bombe. Ils testèrent leur création et l'un d'entre eux finit 4 pieds sous terre. Alors, j'espère que l'autre a commencé à étudier ses erreurs pour savoir ce qui n'a pas marché dans leur création. Mais quant à nous, je vous propose de revenir la semaine prochaine pour encore plus de débilité humaine.